Hello, bonsoir. Bonsoir, madame. Tu m'entends? Allô? Tu m'entends ou pas? Allô, madame? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, tu m'entends bien ou pas? Oui, monsieur. Ok, d'accord, très bien. Donc, on va commencer tout de suite maintenant sur c'est le document unité 6, d'accord? Unité 6, nouvelle unité, parce qu'en fait, on a déjà fait tout. Donc, aujourd'hui, on travaille sur une nouvelle unité. Alors, c'est quoi l'objectif de l'unité, madame? Tu peux lire, s'il te plaît? Oui, monsieur. Objectif, raconter un voyage, présenter les avantages d'initiative, D'initiative, rappeler. d'une initiative, d'une initiative. D'initiative. Initiative, Très bien. rappeler. L'information. Très bien. Donc, pour la nouvelle unité, unité 6, notre objectif, on a trois objectifs. Premièrement, raconter un voyage. Chương dương đừng riêng tại tôi đừng raconter un voyage. Tập bắt tay dương che raconter bên tay raconter un voyage. Lần này dương miên tăng time đôi chỉ ici je vous montre tout de suite avec le plus que parfait dans le temps du passé. Mais này ta dương miên plus que parfait, dương miên un parfait, dương miên passé composé. Và châu kia tạm đó nó không ngã tập bắt tay dương dạy pi voyage. Đó có. Toàn đấy. អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងបន្ទាប់មក deuxième objectif គឺ présenter c'est présenter les avantages d'une initiative d'accord អញ្ចឹង initiative c'est quoi une initiative គេចង់សម្ដៅលើអី une initiative Commencer l'idée. oui très bien et Rida tu qu'en penses-tu? Tu es d'accord? Oui, quand on a pensé une idée pour soutenir. Oui, on peut dire que c'est une nouvelle idée. D'accord? Oui. Présenter les avantages pour votre nouvelle idée. D'accord? Et enfin, rappeler une information. Rappeler, rappel, remind. Comment vous rappelez une information? D'accord, ça va. Ouais. Pendant Monsieur Monangchol, t'as dans mes liens objectifs, Monsieur Chang, j'ai envoyé en fait. Je vous envoie. Qu'est-ce c'est quoi? Rina, si vous voulez, s'il te plaît, j'ai envoyé dans notre groupe Telegram. Oui, le pour enfants, le système scolaire est un ensemble de 8 grandes planètes: Mercure, Mercure, Vénus, Vénus. la Terre, Mars, Jupiter. Tu peux prononcer comment les Jupiter, Jupiter, oui, Jupiter, Saturne, Saturne, Uranus. Uranus, Neptune et leurs 214 satellites, les lunes dont c'est de la Terre, ainsi que cinq planètes Naine. naines selon l'état actuel des recherches.
en astronomie. Serait plutôt Eris Omer Mac qui Sao à à khăn trong dương hiện hiện này chẳng phải gì chắc anh ấy cũng chọn chọn c'est bon ce qui est important ce que je vous j'aimerais que qu'on montre je voudrais vous signaler que ça c'est ça se concerne le système solaire après la première la propre système solaire avec un ensemble de 8 grandes planètes mais la mine pour Bay mais pour Mercure pour Vénus pour Sop la Terre pour Pam d'ailleurs la Mars pour Kia Jupiter pour Pourquoi et Saturne pour Sao pour Uranus et pour Neptune chẳng hạn bây giờ on a 214 et même maintenant on a encore plus de satellites na mais satellite mais car nó chẳng chỉ nó mình tập phần tích quan là chia bỏ được biến nó nè đừng bộ dân khơi như ruột chẳng hay còn mọi thằng ở score thằng si miền y nè nè chú này che hết bàn tay ông phong sĩ còn một tí sẽ sao nào có ok c'est bon. Chứ cho anh em mà mơ à tập bọt ní những chỗ đó à tập bọt đồ tạm đoàn tới viên tòa mên à chẳng dành đang hay objective và dưỡng vì phép bọn tìm mối premier objective sẽ ra công tiền voyage chẳng đảm phú phú vò ra công tiền voyage chẳng dành thầm mơ tháng kia ra công tiền voyage và kê bài bích này xa sẽ lựa sẽ lựa text sẽ an article je vous demande de lire silencieusement, s'il vous plaît. Vous lisez une fois silencieusement. D'accord? Oui. Je vous laisse. Je vous laisse.
Fini, vous avez fait. C'est bon. OK, d'accord. OK, très bien, d'accord. C'est bon. Madame Kim, c'est fini aussi. Comment vous trouvez de ce texte? C'est une histoire de voyage entre les grands-filles et sa grand-mère, surtout de OK. l'Europe. Oui. Très bien. C'est ça. Donc, voyez la drôle histoire vraie d'une petite fille, d'accord, qui enlève sa grand-mère. Ça veut dire c'est elle qui enlève, ça veut dire qui ce voyage, d'accord, qui fait du voyage avec sa grand-mère pour voir le pays, d'accord, et elles vont, ça veut dire sa grand-mère et elle, d'accord, sa grand-mère et elle et la petite fille vont parcourir, ça va, 15 000 kilomètres à travers l'Europe en camping-car. Ça veut dire, en car-car, ça veut dire la voiture, mais c'est un type de voiture comme on peut faire du camping. Ça va, camping-car. D'accord? Oui. OK.
Donc, je pense c'est pas très difficile pour vous. C'est pour ça que je vous laisse lire une fois et après, cette fois-ci, vous avez encore quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, première question. Alors, Madame Kim, tu lis, s'il te plaît, selon vous. Selon vous, peut-on voyager à tout Tâche. âge? Pourquoi? OK, ça, c'est juste une question sur vous. D'accord? Selon vous. Donc, selon vos idées, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut voyager à tout âge? Vous savez, même si on est très âgé, on peut voyager quand même ou pas? Et pourquoi? Mais monsieur, cette question, il veut dire voyage pas moi, pas nous-mêmes ou Non, avec elle. on parle de la généralité, ça veut dire en général, globalement. Est-ce que tout le monde, on peut, on ça veut dire tout le monde, les gens, people, voyagent, même si on est jeune, même si on est vieux, âgé. Est-ce qu'on peut âger à tout âge? Oui ou non? Selon vous. Alors, je vais commencer pour moi. Je pense que on ne peut pas voyager à tout âge. Par exemple, si on est trop âgé, on a du mal à se déplacer, à voyager ou à faire du camping, surtout dans des endroits. Si par exemple on fait, on préfère, si on veut faire du trekking ou faire du voyage dans un au milieu rural, par exemple, c'est pas toujours facile, par exemple, si on est trop âgé. D'accord? Ça, c'est pour moi. Et vous, comment vous pensez? Alors? Pour moi, je pense non, monsieur, parce que si on était très jeune, on ne peut pas faire le voyager sans avec quelqu'un d'autre qui avec nous. C'est ça. Parce que quand on était jeune, on ne sait pas beaucoup de réflexions ou quand on rend des problèmes pendant les voyages, on ne sait pas comment se faire. Et il y a le problème aussi quand, par exemple, quand on âgé plus. Comme vous avez dit, c'est difficile à se passer, déplacer pendant le voyage. D'accord. C'est tout, monsieur, pour moi. Très bien, et Madame Kim. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas voyager à tout âge parce que quand on a âgé, on a des problèmes avec la santé. Par exemple, les personnes âgées peuvent de bouger longtemps ou marcher longue distance.
Donc, c'est difficile pour faire un voyage. C'est tout, monsieur. Ok, très bien. Alors, merci. C'est bon. Mais on peut quand même répondre oui, d'accord? Par exemple, je peux dire oui, il est possible de voyager à tout âge. Par exemple, voyager, en fait, ça offre de nombreux avantages pour nous, pour si on est on est plus âgé, par exemple. On peut découvrir de nouvelles cultures, la création de souvenirs inoubliables, d'accord? Et en plus, voyager, ça peut être contribuer, ça peut contribuer, pardon, au bien-être et émotionnel, c'est-à-dire ça rentre notre santé mentale au bien-être, d'accord? Et ça offre aussi des expressions, des expériences plus enrichissantes, par exemple. Donc, voilà, c'est important de prendre, de voyager, même si on est plus, par exemple, plus âgé ou même aussi jeune, on est plus jeune quand même. D'accord, très bien. On passe à la question. Donc, pour la deuxième question, troisième question, quatrième question. Donc, c'est Madame Kim. C'est toi qui t'occupes de la question 2, 3 et 4. Et Rida, tu t'occupes de la question 5, 6, 7 et 8. D'accord? Oui, d'accord. Attends, laisse-moi regarder un petit peu quel était le mode, OK? Comment... D'accord, c'est bon. Tiens, je vous laisse. Attends, ah, pardon. Je vous laisse maintenant. Tiens, trouvez-moi. Madame Kim, deux. Madame Kim, cinq modèles. Jusqu'à question 5. Oui, monsieur. Et il y a 6, 7, 8 et 9. D'accord? Allez. Oui, d'accord.
Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Vas-y. Oui, pour la question 7, comment la relation a-t-elle évolué? Ça veut dire la relation après le voyage, c'est ça? Oui, après le voyage, ça donne au quoi? D'accord. Oui. Presque fini, et Madame Kim? Pas fini ou pas encore? Ok, d'accord. je laisse un petit peu pour Rida. Sinon, Madame Kim, tu peux aller faire aussi la question 9, d'accord, question de vocabulaire. D'accord, tu Oui, trouves merci. des synonymes. Allez. On peut commencer. C'est bon. Oui, je pense que D'accord. Alors, question 2, je laisse Madame Kim. Allez. la relation entre les deux femmes et la petite fille et la grand-mère. Ça veut dire, ils sont, pardon, elles sont comment? Elles sont grand-mère et petite-fille, donc elles sont famille, d'accord? Très bien. Et trois? Elles ont fait quoi ensemble? Qu'est-ce qu'elles ont fait ensemble? Et bon,
Effet en voyage C'est quel très bien. à travers l'Europe. Oui, c'est très bien. Parce qu'elle fait du voyage, elle fait un grand voyage à travers de l'Europe. D'accord. Très bien. Ensuite, question 4. Dominique a 100 ans. Devenez, elle a 100 ans, c'est ça? Oui. Très bien, elle a 100 ans. Vous voyez, même si elle a 100 ans, d'accord, elle peut voyager quand même. Donc, on peut dire que on peut voyager à tout âge, d'accord? Oui, très bien. Merci, 5. Moi aussi. Cinq, oui, bah, ça va, si. Question 5, quel était son état de santé avant et après ce voyage? Avant? Avant, Dominique était en EHPAD depuis un an. Attends. Ça veut dire quoi? C'est quelle ligne? Voilà. Avant, elle. C'est quelle ligne? Ligne 6? Oui. Non, c'est pas ligne 6, c'est ligne. Était en être partner, maison de retraite médicalisée, peut-être maison de retraite tu vois, madame. D'accord. Maison de retraite, mà đồ cha chỉ riêng nè. Đại kỳ miền mưa ca thai tôm hỏi tham hỏi y bờ chỉ ba chữ người. Chẳng gì mềm bị chán nè. Chẳng ai lấy tiền ở Edpat nè, cứ chỉ mà đồ cha chỉ riêng thì trong một nắng nè. Đó. La réponse n'est pas ici, c'est tu vas un petit peu plus loin, c'est à la ligne. C'est où? Avant, ma mère était beaucoup s'occupée d'elle. Non, la question, quel était son état de santé? Il me semble le sur pire par quoi, son état de santé était comment? Après de ce voyage, Oui, ça c'est après, mais avant. Tu as avant. Très, c'est bon, c'est correct pour la deuxième. Ça c'est Nekisota, année après. Ce que tu as répondu, c'est après. Tu as avant et avant. Vous avez. Lidas, tu as trouvé ou pas? Je ne trouve pas aussi, monsieur. Non. Oui, parce que dans le texte, il n'y a pas de parler de ça. Si vous regardez un petit peu, allez, pensez un petit peu EHPAD. EHPAD, c'est une maison de retraite, mais médicalisée, médicalisée. Donc ça veut dire, est-ce que elle va très bien ou pas? Elle va bien ou pas?
son état de santé. Elle va bien. Elle est en forme. Quand son pied blanc. Pour moi, je pense qu'elle n'est pas en forme parce qu'elle a 100 ans. Faut Oui. changer. Oui, elle a 100 ans et elle est trop âgée. Et en plus, elle était en EHPAD. C'est parce que elle est malade. Elle allait très mal. D'accord? Nè, dè sa vi min pèk medikalize, mè, dè sa min pèk medikal, min tèna min e min tèna kòt, nya mà nâng, kòt nè tì nâng kù nè mà đôl, dè kè mơ thai tòm, chẳng bà nè thai sọc việc kòt kù ọt sru tì, mè nè, nà có. Chẳng nhà ai dì ta, el, chưa sẽ xây chẳng bảo cho cô bất nà, el, là lê thai mà, avant le premier voyage. Hai, cho ạp thai, mấy mà đam tham ít. Après. Après, elle allait des amis grâce à nos soins en 6 mois. Quelle ligne? Très bien. 19. Oui, c'est ça. Donc, je peux dire, elle va ou mieux. Ensuite. Avant, après quoi? Après, mais... même qui? Elle va beaucoup mieux. Les soins de la famille. Non, ok, très bien. Donc, il y a un état mieux ensuite au cours, mais un peu, quand d'aller, au cours des voyages, quand ban tout se bat, tiran du monde, d'accord, c'est ça. Là, je viens de parler au groupe, là. Ah, Joe Chan, ok. Très bien, Madame Kim. Ensuite, 6. Quel a été le mode de transport des de deux femmes? Alors, quel mode de transport? Rita. Le mode de transport des femmes, c'est le camping-car. C'est un camping-car. Je peux écrire et un camping-car. Et 7, alors? Après son voyage, la relation devenue proche parce Très bien. que Pardon, elle. question 7, c'est ça? Oui, question 7, proche Oui, et c'est tout. c'est quoi? C'est de sa grand-mère. Elle a comprend c'est que son sa fille était fière. C'est quelle ligne? C'est Quelle ligne? quand 38. c'est ça, oui. Quand elle a compris, Chúng mình đi thăm mệt. ถ้าปัจจุบันวิมินปีเวียวิมินอะไรเนี่ยตระไรอะไรก็ได้
Quand dit ainsi, on imagine que les deux femmes ont toujours été très proches et complices. On a tort. C'est quoi avoir tort? Madame Kim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Même tôt, dưới đây tôi tôi không mới tôi. Avoir tort. Avoir tort, mình nên thay đổi bản thân là lấy giờ. Chưa gì. Ui ta tham, chưa gì ta, thì đá. Đôi giờ lùng hạt exercice để em chưa nhau thưa và lộn ngày sụp á. Chưa bản phương, e rơm, chưa đặt khó nè. Chưa đã text được kia cho lòng cho nó sẽ sẽ tờ mình để ta je me suis trompé chưa cho lòng nè đã có toàn đấy nó chưa avoir tort ça veut dire se tromper đã có vì mình này trả về cái nông đi mình này tha ông nát tớ và này tha bởi vậy tha pi nẹt quạt nó chất nứt hay nằng complice nó và này tha sầm lại luôn mà nữ để complice mình ta mà nữ để song tong kia na mà nữ để đăng chất kia tập bình tập màu ý chứng na onato bạn đây ta c'est pas vrai d'accord c'est pas vrai bạn thấy après nghĩa après đi đa an mình nữa elle n'avait jamais beaucoup voyagé et elle a compris que elle a compris pourquoi j'aimais tant cela ensemble elles vont templer des paysages. Bon, ici, Greiner. Cho bạn này après le voyage, pour répondre à la question 7, leur relation est évolue, d'accord? Elles sont plus proches et complices, d'accord? Toi, Greiner. Sự nhung nhung ăn plus nâng mẹ đó thả nâng cái bộ này dài một quạt mà bóng bạc thì được bôi giá sự Vì họ bọn hạt lại đi mình. Vì xí. wait wait Kinh dị. Vì họ bọn thêm sầm rùa nắng. Chưa cảnh chưa chạm bệnh thá. À khai là voyage. Chứ họ bọn được bạc tía. Bạn này thá phục quát ạch chất nét nét tì. Quát ạch complice mùi kinh tì. Mình chẳng ý. Về cái wait quát dạ ô nà tổ. Phần tay. Nếu bây à khai là voyage. À khai là voyage. Kinh quát dạ thá. Cái này nè. Quát thá. Elle a compris pourquoi j'aime tant cela. Chứ quát đăng bỏ tha con sĩ quát ở trai quát nâng chú chật đất à nâng cho bà này tha quát posh quát chật đất quát complice đất xa sẽ áp khai lực voyage phòng đá ta lên mùi kia dương xa xa mấy mưa mưa đào lên mùi kia dũ dương vô chật kia mạnh chân đó toàn này toàn là này nâng chậm Quy lại chứ à trong khởi tôi chưa một sự quy ở trong tiết tu tôi trong khởi học khai lưu vào giá tuyệt vời cái này nè cái này em là công ty một sự em là công ty vì sao vô hay là công ty vừa qua anh ấy còn ta chỉ clear còn vậy nè nhưng khi nhờ ông thật vì giờ mày chẳng hạn ông thơ ghi dù mê nó cứ chỉ clear để mình kinh dị á nè có c'était émouvant réjouissant nè mê nè sợ bài nè elle avait attrapé le virus du voyage chứ attrapé le virus du voyage bà này thầm mình Em có mong em đi lên voyage oui, très bien, c'est ça. Hay còn vậy ta, em a dit ông pa u chi vơ tùy mô món con nào xòm được chứ người ta dương tay ná nè cho người ta mà dương về chóm đôi mình tham xuyên dĩ chai tên ná dây tên nâng bài chẳng hả chai tên ná vậy. tên nâng tay dây tên nâng chân dây tên bài chẳng hả tên tam chất chai dây chẳng hả vô đấy chai sửa đấy hả chẳng hả người ta phục quát với approach mùi kia rồi có complete mà dương pra bị ở chóm cứ bị này điện đã có sao mà Quy sao mà mông đam tím đam kiếm toàn đấy lại được quy ok
อันนี้ก่อนใหญ่ปีมุนต่อมาอันนี้คือประโยชน์ปีกราวจังโอเคชูชูสิครีเซบงสวิตรีดาOui, le bilan de ces deux femmes qui les voyagent, elles vont comme plein de voyages et passent à couper le soufre en le chemin de traverse vers les mains droites du Bouddha. Là. ว่าต้องช่องต้องมาเลยช่องต้องมาเลยองค์กรฟอสซิเดเลตเลLe บิลอbilan de, oui, le bilan de ces deux femmes sur le voyage, elles vont contempler le paysage, à couper le souffle en des chemins de traverse. Ok, très bien. C'est correct, mais quoi d'autre? Mais n'est-ce pas? Cái này đem chơi ăn bởi nhé ha. Trời ơi, ọt khó thể dương, bởi tay dương thêm. Cái này thì họ chồng ta đoàn là bởi đây ở Nè, c'était mouvant et réjouissant. Ça veut dire quoi, émouvant et réjouissance? Émouvant, ça me l'a Émouvant, bởi dân dạy pi à rõm, play chất, si dùm rỡ, toàn này. Mình nói tha, émouvant, ça me l'a pi nè còn, mình dùm rỡ chất. ជ្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដាក់កោអូយសោះអូចាថាបើសិនយើងនិយាយពីហ្វីមបើទៅយើងនិយាយពីហ្វីមអាហ្វីមឯមូវងមានថាហ្វីមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចាក់ដោតចម្រៅចិត្តពួកយើងធ្វើឲ្យយើងបើថារឿងហ្នឹងកំសត់វាធ្វើឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងឯមូវងតែក្នុងនេះសម្រាប់លើមានថាពីរអ្នកគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺemouvant c'était emouvant មានថាការដើរលេងនឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងយល់ចិត្តគ្នាស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយ réjouissant សំដៅលើភាពរីករាយ la joie satisfaction bonheur សុខដុមរមនាអញ្ចឹងទៅណាកោតាមលេងនឹងមួយផងអូខេC'est bon, question, d'autres questions ou pas? Monsieur, c'est quoi le mot contempler? C'est quoi qu'on entend? Pim, t'es ou pas? Contempler. Nam Kim, tu entends? Ça veut Oui, dire quoi monsieur. alors? Non? Chung Tu à lis. Pardon. Thảo mấy mình. Contempler, ça veut dire đạo đà rộng. Vì sẽ xa ở trong miền này chẳng là miền dương bắt đầu ở rộng dương bắt đầu ở rộng mơ bắt đầu ở rộng công ca sẵn kê đòi dơ chứ tục đã đòi ការស្ញយសរសើរផ្សេងៗទៅលើនេះចឹងណាកងតង play DP សាមានថាគាត់មើលផ្ដោតអារម្មណ៍មើលដោយខ្មែរជឿដឹងថាតែមានថាគាត់ regarder attentivement ou observer de manière plus attentive des paysages d'accord tenez Et concentré, monsieur. pardon Concentré. Concentré, c'est ça? Oui, ça, C'est où? ce n'est pas dans le texte, mais parce que Con. j'ai entendu le mot concentré pour quand on a
fait quelque chose, on va voir concentré. Il faut concentrer au cours, par exemple, ou il faut concentrer Oui. à ce qu'on fait, mais Oui. n'étant Non. contempler, mais mais trẻ thì họ trẻ cho mình chơi bó không ai về 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 hiện sự điện khi tịch và dần bó và thấy còn sont très ça veut dire on fait quelque chose de plus attentive de manière plus attentive de manière ça veut dire vous faites beaucoup attention quand vous faites quelque chose par exemple vous lisez un texte il faut concentrer il faut pas penser à quelqu'un ou penser à faire autre chose quand vous lisez par exemple ne pas an dire từ dân tập cung mà rộng đau từ lời ca an để dân tập kịch MC nó bị chấn dân an tới vì mình không bị đẻ nó hai con sọ sẽ đập về con toàn play con toàn play mình là tha ca đôi chân mơ đẹp mơ mơ mạch mơ đôi tham dễ dàng coi cún nè rồi dân vậy không ai coi cún đòi chơi cho tục đá nè toàn đấy sao không thấy lại nữa sao Oui, monsieur. bây giờ nâng dương coi côn nâng ảnh là không ai việc coi côn bụng coi côn mơ Monsieur, đòi vous payez le souffle à faire du cours. ici couper le souffle incroyable mais cái biểu lại ta Oh, incroyable merci. là có dân khởi lịch cho mình ta ai vẫn còn tâm về để bây giờ à cụ bê lưu sức đó mình ta trong vậy ta có coi con ở tây phía nắng đè đè anh có giống là in unbelievable đó nè tây tại mô tô vì ọt cha mình tên mô tô vì mình cùi chứa nè unbelievable anh có giáp đó là có anh cụ bê lưu sức đó là có d'autres questions ou pas? C'est bon. C'est bon, monsieur. Ok. Sinon, on continue un petit peu sur la compréhension orale ici. T'as pas de monsieur Bantri, mais monsieur Katat, Néronichlai, il est à m'appeler. Chưa bàn tre mà đi chia lòng hạt mà dùng thứ và tại em sự ở thử chẳng tí đã ra chưa có thể hiểu của bà sẽ mẹ nó nhé chẳng còn chưa sự transform ça en question de QCM donc c'est vous allez écouter et choisissez la bonne réponse. D'accord? Je vous envoie l'enregistrement. Attendez, s'il vous plaît. En attendant, Rida, tu lis le titre, s'il te plaît. Oui, le voyage en famille, c'est mémorable. Rien. Le voyage en famille, c'est mémorable. Vous comprenez? Vous comprenez, pardon. Oui, Nam Kim, ça va? C'est bon, monsieur. mémorable. OK. Oui. Donc, Nam Kim, tu lis ici, c'était. C'était vraiment un Dis-moi. dépaysement total. OK, donc, quel est votre premier souvenir de voyage? C'était vraiment un dépaysement total. C'est quoi dépaysement? Hmm?
Pardon? Dépaysement, tempat berkenaan dengan PI. Yang PI, sama ada PI tempat yang ni. Cho ta ở lỡ dương nơi khăn ông bà tê mùi hay là sư dì bà dì đào bà tê như khăn ông nằm bòn mùi chứ nè nó về nơi nằm bòn mùi đại dương tùm lộp nơi lộp đi bàn tay ngày mùi rồi có ngày nào mùi dương dương vous trouvez dans un environnement différent de celui auquel vous êtes habité, par exemple. Vous vous êtes habitué. Mẹ ta dân cổ ngày năm mà tham sứ ban dịp sư nó sọc mai chân tới và tay đó ngày năm muối nhờ sư chỗ hà rục có từ nơi bà rằng chân tới từ riêng nơi to nó bà rằng chân à ca đô long vi rôn nó à tại an ca rôn nơi chung bình luôn để dân tùm lọ vì muốn nữa nè tới cả lại xe nhé anh ngã DPI dư mong toàn ấy sao á không toàn nó đây nữa Tức là nó một thân hình dương bố phải ra đi diễn nhạc từ học học which is campaign mà mình xong lại luôn mà đối thị which is campaign và dương dị pi voyage là xa đi dương chỉ tem voyage chẳng ở voyage để pi dùm món bên đây tha sau về đi c'est quand vous êtes vécu lors d'un voyage dans un pays étranger. D'accord? Pour découvrir la nouvelle culture, pour explorer des paysages que vous ne connaissez pas. D'accord? Toàn nền. Mình là tha dân từ 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 voyager nơi cập tế, nơi 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 bỏ tế. Hay từ từ mơ cứ chia thamay thamay đảm bay mình hay dùng từ discover nè đã có discover culture thamay thamay ở đằng rồi có từ ở school pi paysage rồi có the pon tisho để giờ đây cùng bị mồn máu hay nắng hai cứ đi pi sử một đã có ok Oh, chưa có tiền lắm. toán nè mình làm kiếm toán này lại nữa. Mình chưa. Ok, chẳng ở Kim Bơ sùm rốt, khả biến ở đó. Kể lại votre premier souvenir de voyage. Chẳng ở sùm rốt đi. Chưa ai tục ở này, thì kết dẫn của bạn đấy ở bên toàn bạch lào y tế. Ở đó, chẳng dừng ai đăng thá vô giả lê vô cứ là l'enregistrement pour la compréhension orale porte sur un souvenir de voyage, peut-être pour le voyage en famille. D'accord? Vì các bạn đang voyage en famille, rồi có souvenir de voyage. Mẹ nè. Quên D'accord? mất rồi. Ok, chăm tích chờ sư phụ nha sư phụ. Sư sống phụ. Sư phụ nha cho Telegram một tất bạch chờ. Sư phụ Nè snap snap j'ai envoyé l'enregistrement vous pouvez écouter un petit peu je vous laisse écouter snap pardon synthèse allez Unité 6, en route. Page 87, document B. Le voyage en famille, c'est mémorable. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier. Le voyage en famille est la chose la plus belle.
Vous avez fait déjà tous des questions ou pas? Oui, monsieur. Oui. Ok, d'accord. Donc, on commence la réponse. Madame Kim, tu commences, s'il te plaît. Alors, attends. Tiens, attends. Des... Alors, voilà. Madame Kim, question 1. Quel est votre premier souvenir de voyage? Un voyage en famille, en Turquie. Lida, tu es d'accord ou pas? Oui, monsieur, je suis d'accord. Tout à l'heure, c'est un voyage. Hein, c'est ça? Un voyage en famille en Turquie, c'est ça? Oui. Très bien, très bien. Rida, deux, quel est? Quel est le thème de cette émission de radio? C'est B, le voyage en famille. Oh. Oui. C'est B. Madame Kim. C'est pareil. Oui, monsieur. Rien. Alors, froid. Madame Kim. Froid. Qui Quoi? sont les? Qui sont les intervenants? A. Mary et Caroline Cruz. C'est A, c'est ça? Oui. Rida. Oui. C'est un aussi. Marie, c'est Caroline Grose. Oui, monsieur. C'est toi aussi. Hein? on va réécouter ensemble. Mais en fait, c'est pas A. La bonne réponse, c'est en fait, intervenant. Merde, Joe, entre commun. Par exemple, Marise. Tu audit en fait elle est auditrice non quoi tu es snapté et Caroline en fait c'est l'invité donc intervenant mais voyons tu me la bonne réponse on va Monsieur, l'écouter quand même d'accord. On va Marie, l'écouter. elle est invitée, monsieur. Marie, elle est invitée. Oui, c'est Caroline. Non, l'invitée, c'est... l'invitée, c'est Caroline. Oh, ok, alors, j'aime bien ça. Alors, ça me tente, bon. Ça me tente, bon. Oui, on va écouter encore une fois ensemble. Attends. Je partage... le son. OK. On y va. Unité 6, en route. Page 87, document B. Le voyage en famille, c'est mémorable. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier. Le voyage en famille est la chose la plus belle et la plus forte à offrir à ses enfants. C'est ce que nous dit notre invitée Caroline Cruz, créatrice du blog Voyage Famille. Oui, notre invitée, Caroline Cruz. Lutjaman. Encore une fois. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier. Le voyage en famille est la chose la plus belle et la plus forte à offrir à ses enfants. C'est ce que nous dit notre invitée Caroline Croze, la D'accord. Caroline Cruz. Créatrice du blog voyagefamily.com qui nous accompagne jusqu'à 16h. Et on voudrait savoir si vous aussi vous partagez cette idée, si vous avez envie d'emmener vos enfants vers d'autres cultures, d'autres endroits. Pour des moments d'exception, on vous attend 0810 055 056. Et c'est le numéro qu'a composé Maryse qui nous appelle depuis le Lot-et-Garonne. Marise, Kino.
Maris qui nous appelle. Maintenant. สำหรับชื่อจังเลยเมธามารีซึ่งก็ที่เนี้ยคอโชว์แม่เนี่ยมันยังไงวินะครวัิบนจังขอบนะบริษัทสำหรับประเดี๋ยวเนี่ยคอโชว์จังก็ที่เนี่ยเจียขมายแค่เอ้ยเนี่ยบริษัทมือตูดตัวแกตุสแกตุสเนี่ยคือชนนะนะเชื่อเอาดังหามายหายขมาเนี่ยได้ก็ได้สำหรับประเดี๋ยวนะก็เตยเต๋อนะนะก็เปรียบใช้เตยก็หายเชื่อจำได้จังl'auditrice en français c'est l'auditrice donc Marise elle est auditrice là je ne sais pas bien culture d'autres endroits pour des moments d'exception vous attend 0810 055 056 et c'est le numéro qu'a composé Maryse qui nous appelle depuis le Lot-et-Garonne. Bonjour Maryse. oui d'accord donc vous pensez que intervenant Maryse et Caroline. Attends. Écoutez encore, snap tip. Bonjour, voilà, je vous appelais parce que j'ai un merde. Né, snap some lane, some lane, que some lane, j'ai un bitou le sap et maintenant. D'accord? Ouais, Ok. Bon. Souvenir de voyage que j'ai fait il y a quelques années de ça avec ma fille qui était âgée de 11 ans et quelques mois. Donc on a pris l'avion donc à Paris, on a par une agence, on a fait un circuit en Turquie Oui. de 15 jours. Donc on est arrivé à Istanbul, après on a pris un bus et on a remonté, on a fait tout le tour de la Turquie, on s'est arrêté dans des endroits différents et là c'était vraiment un dépaysement total et on a terminé le voyage à Istanbul et le guide je lui avais dit, enfin il avait demandé s'il y avait des événements particuliers, donc moi je lui avais dit que ma fille, elle fêtait ses 12 ans le lendemain, donc il y a eu un grand repas dans une salle immense avec des gens de différents pays, vous voyez, et ils lui ont souhaité son anniversaire pour ses 12 ans, et ils lui ont chanté en différentes langues bon anniversaire, voilà. Et Maryse, je peux vous demander quel âge elle a votre fille aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 37 ans. Et elle s'en souvient bien de ce voyage, ça l'a Elle marqué? se souvient de tout. Et d'ailleurs, avec son mari, maintenant, ce sont des accros de voyage. Quel Voilà. beau souvenir. J'ai envie de faire Voilà. réagir Caroline Cross, qui est avec nous, qui est notre invitée cet après-midi. On l'entend des années après. La fille de Maryse se souvient de ces moments. Est-ce que vous pensez que ça a pu, comme nous le dit Maryse, lui donner le goût et l'envie de voyager plus tard, une fois adulte? C'est sûr. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je crois. Hein. Je pense vraiment que de partir ensemble. Ok, alors après avoir écouté, vous pensez encore c'est A, toujours A, Marie c'est Caroline Croze, ils sont les deux intervenantes, ou il y a d'autres réponses B et C? Allô? C'est toujours A, la bonne réponse. Namki Merida. C'est B, C. Non, l'endoscopie intervenant, hein? C'est quoi intervenant? Intervenant, c'est de intervenant, puis intervenant, mais moi, puis intervenir, ben, c'est un entracum. นะโจอันตราคมนะอันเทวนาเนี่ยได้โจเมาอันเป็นนะโจเมาเจยโจเมาถ้าอันตราคมก็มาได้นะเนี่ยได้โจเมาเตมาโจแล้วนะแล้วก็นะมาเออมอนดีก็มอนเดียแมนทัดเชื่อใจอันตราคมเนี่ยที่ยูเปียนั่งนะมันจังไงนะก็สมัยอับMaryse quoi tu fais qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle elle appelle pour quoi faire pour elle Pour raconter
des souvenirs avec sa femme. Oui, elle raconte le voyage, son voyage, son souvenir de voyage avec sa fille, d'accord. Très bien. Donc, sur ta côte, juste elle raconte, mais qui sont les deux intervenants? C'est elle? C'est Maryse? C'est Non. Marie. Non, Maryse, quand elle m'a dit, il a rappé. D'accord? Quand elle a rappé, les deux intervenantes. Mais, écoutez. Frédéric et Caroline. Oui, c'est ça. C'est Frédéric Quatinen. Chôman yéi antra kumpi Ah. sửa nắng á dù là Oh, đại đúng bác không? có chuyện cảnh sát ông. Vì c'est ça alors encore une fois écoutez Page 87, document B. Le voyage en famille, c'est mémorable. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Ternier. Le voyage en famille est... Oui, tiens, Frédéric Le Ternier, quand tu es une intervenante, le magazine de la famille, d'accord? Tiens, c'est elle, d'accord? Hay trông coi mình. Écoutez, P.P. de raconte, P. Maryse, après avoir raconté son liste, son souvenir de voyage. En vrai, la fille de Maryse se souvient de ces moments. Est-ce que vous pensez que ça a pu, comme nous le dit Maryse, lui donner le goût et l'envie de voyager plus tard une fois adulte? C'est sûr. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je crois, hein. Je pense vraiment que de partir ensemble et de montrer à nos enfants comment nous, on voit le monde, comment on se comporte avec des étrangers, comment on se comporte face à l'inconnu, comment on se comporte face à la différence, tout ça, c'est des choses qu'on inculque, qu'on transmet à nos enfants. Ok, còn cái câu trả lời mà trả lời intervenir cho buổi này vậy để Maris quan gì chứ? Đã có. Sao vậy? Đúng là bonne réponse thế. Oui, Alors, 4 gì đó? Pourquoi? Quatre fois, Marie appelé l'émission. Alors, B. c'est B. Partager un souvenir de voyage avec sa fille. Enfin, c'est B pour partager un souvenir de voyage avec sa fille. 5, Madame Kim. Encore les deux jambes de la fille de Marie étaient un moment. Était-il un moment spécial? Alors, t'as choisi quoi? Elle a rencontré des enfants de différents Tu es d'accord, elle a rencontré des enfants de différents pays. Oui, monsieur, je suis là. C'est Oui. ça. Moi, qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que 5, qu'est-ce que en quoi? Les 12 ans de la fille de Marie étaient-ils un moment spécial? Soit un moment spécial. Les 12 ans, et qui Monsieur, pour ben, c'est son anniversaire. oui,
Elle a fêté son anniversaire. C'est meilleur, ben, il y a eu pi, coupe de pitch nam quad, c'est meilleur de pitch nam quad, robot con, c'est meilleur quad. Tu m'as dit que, Marison, elle a fait, pardon, elle a fêté son anniversaire en Turquie, d'accord? Connais? Oui. Ça va? Oui, Donc, CB, 6, Rina. quel effet ce voyage a-t-il eu sur sa U, fille? il y a un tas U, U. Oh, U sur sa fille. J'ai choisi A. Elle est devenue accro au voyage. Madame Kim, t'es d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Ça va être devenu accro au voyage. On est en Aime le flux de voyage. Ça veut dire elle adore vraiment le voyage. Très bien. Alors, 7, Madame Kim, selon Caroline, Rose. Selon Caroline Gross, qu'est-ce que le voyage apporte aux enfants? C'est Alors. la maîtrise de nouvelles langues. La maîtrise de nouvelles langues. Non, c'est pas ça. C'est vrai. Oui, c'est B, l'ouverture d'esprit et la tolérance. Maintenant, bah, quoi, maintenant, esprit, maintenant, quoi, maintenant, bah, c'est pas comme ça, là. Mais tolérant, maintenant, quoi, c'est toléré, d'accord, c'est, comme là, quoi, comment dire. Còn đã lên chân tới còn miền miền cũ cái ta miền cũ không cả đại lý thì ça donne le goût du voyage et l'envie de voyager d'accord ok lại nên cái trong bạn này chân đó je vais écrire un petit peu ça donne. Pardon. Ça donne le goût. De voyage. Et l'envie de voyager. Mais là, ở quan bên chụp nổi chuyện nông ca đã lên hay là tiếp chọn đã lên chứng. Ça va? Về vite. Vì đã, pour elle. Pour elle, encore le voyage en famille est-il bénéfique? J'ai choisi A qui reporte les liens familiaux. Et Madame Kim, t'es d'accord? C'est bon. Oui, merci. Oui, très bien. C'est A, il renforce les liens familiaux maintenant pour rendre d'accord. Non, non. Ça va? Question? C'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez des questions ou pas? Pas de questions. Ok. En ménage, pardon. Je pense que ça va et ah, pardon. Alors, pour la production orale, soyez prêts, c'est devoir. Je vous laisse comme devoir. Et ici, production écrite aussi. D'accord? C'est bon. Chẳng ở đây production cái này là toàn thuê cả đây đấy là dựng hết thuê production ra tới ngày ngày put le mercredi on commence par cette activité production ra d'accord et je vais expliquer encore plus concernant la production écrite ici hein, pour mercredi d'accord c'est bon.
Oui. En plus, soyez prêts parce que pour le mercredi, on travaille sur le plus que parfait, le temps du passé. Plus que parfait, le temps du passé, Valentin. Plus que parfait, le temps du passé, temps passé, mais dans imparfait, donc passé composé. Dans le paragraphe de bruit, plus que parfait, bien sûr, imparfait, du corps passé composé. Donnez-le, non? Ça va? Ça, c'est pour mercredi. OK? Oui. Donc, merci, bonne soirée à tous et on se voit mercredi. Au revoir. Oui, et oui, bonsoir, monsieur. Au revoir. Et au revoir. Bonjour. Et au revoir.